Bonjour, je suis Frédéric Adam, responsable du pôle partenariat des Eurockéennes de Belfort. Chloé Lasser, coordinatrice technique, responsable développement durable. On est ici sur le site du Malsaucy, sur lequel on organise les Eurockéennes du 29 juin au 2 juillet, qui rassembleront plus de 130 000 festivaliers. Ce festival est organisé par une association, l'association Territoire de Musique, qui s'appuie sur deux axes principaux, la jeunesse, les Eurockéennes c'est avant tout une grande fête de la jeunesse, et le développement durable, l'environnement. C'est un site exceptionnel, on vous propose de venir le découvrir avec nous. Suivez-nous. Le festival s'appuie sur quatre objectifs environnementaux. Favoriser la mobilité durable, optimisation de la gestion des déchets et de l'énergie, favoriser la restauration durable, ainsi que développer l'économie circulaire. Et on a quelques exemples cette année qu'on peut vous donner. Le festival est un des premiers en France à tester la vaisselle consignée. Donc vous aurez sur la place des chefs et sur l'espace de la restauration du monde de la vaisselle consignée, même principe qu'avec des gobelets. Vous pourrez ramener votre assiette une fois l'avoir utilisée. Ça va réduire fortement le nombre de déchets. Et autre exemple, toujours dans la logique de suppression du plastique jetable sur les Eurockéennes, la mise en place cette année de 4 bars à eau qui pourront distribuer de l'eau en gobelet ou en gourde à tous les festivaliers qui le souhaitent. Et ici, on se retrouve au cœur du festival, la scène de la plage juste derrière nous. Ici, on va retrouver à quelques pas la grande roue, le chapiteau, la grande scène un peu plus loin, et le stand du Crédit Agricole Franche-Comté, donc qui accueillera le public avec des animations. Le Crédit Agricole Franche-Comté qui nous accompagne depuis bientôt 20 ans en qualité de grand mécène sur le festival pour faire des Eurockéennes l'événement qui fait rayonner la région Franche-Comté. Et on vous retrouve le 29 juin pour 4 jours de fête.